Ah, j'espère que ça va pas trop se voir sur la vidéo, que j'arrête pas de regarder le retour caméra que j'ai là. Je devrais le virer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce Vox Populi consacré à l'imitation du meilleur ami de l'homme, j'ai nommé... le caillou. Qui est un minéral des plus dociles. Regardez plutôt. Pas bouger! Très obéissant. Au secours, on a re-knappé Monsieur Caillou. Contactez Donald Trump. Ta gueule, Raymond. Comment ça, ta gueule? Viens me le dire en face, sale jeune. Le chien. On apprend à imiter le chien. Contrairement à beaucoup d'imitations, le chien ne s'obtient pas en expirant de l'air, mais en inspirant. On commence par inspirer de l'air, mais en serrant la gorge. On essaie d'obtenir ce bruit qui ressemble un peu à un rot. Bonus, le rot d'un bébé. Merci. Attention, ça peut faire mal à la gorge. On continue à essayer de produire ce bruit de rot, mais on gonfle ses joues. Ensuite, on essaie d'inspirer brutalement en ouvrant la bouche d'un coup. Bravo, vous savez imiter un aboiement. Petite mise en garde, si vous faites ça en présence d'un chien, méfiez-vous. La plupart du temps, ils en auront rien à branler et ils continueront de se lécher les couilles. Mais il m'est déjà arrivé que le chien réagisse, donc évitez de préférence de faire ça en face d'un chien qui a l'air plutôt vénère, quoi. Voilà, ce petit Vox Populi est à présent terminé. Comme d'habitude, les noms des tipeurs qui financent mon travail défilent au-dessus de ma tête. Merci à eux. N'hésitez pas à rejoindre leur rang si vous en avez l'envie et les moyens. Comme d'habitude, les liens pour s'abonner sont dans la description et tout le bordel. Vous avez les petits boutons ici. N'hésitez pas à cliquer dessus. Faites-moi plaisir. Partagez cette vidéo. Likez si elle vous a plu. Moi, je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine. Vous savez créer des raptors.